des breaks sur mes, pour mes skis. Oui, beau passing, match en gagnant l'Open d'Australie, Roland Garros, en ne participant pas à Wimbledon et en gagnant l'US Open. Et elle joue bien Meski, tout le monde dit... Ok, Meski. Game still has three games. Elle a tenté le long de la ligne. Oui, accélération bien croisée. 40-50. Oui, celui-là, il est bien rentrant. Pendant une demi-heure, elle n'a travaillé que ce passing le long de la ligne. En coup droit. Game Meski, erreur d'inattention. 30 love. Un peu trop croisé avec le coup du poignet. 40-30. Oui, un angle impeccable trouvé par Monica Seles qui lui donne... Ouais, celle-là, elle est bonne. Elle a commis l'erreur tout... Elle s'était pourtant bien tirée de cette situation, Meski, mais... Et voilà, c'est parfait là encore. Oh oui! Elle est dehors. Quelle présence tout de même de Monique. Ah, c'est... Elle avait bien anticipé Meski, mais la balle était trop puissante alors...
Leila Meski de servir. Help! 15 love. Et je, sur cette erreur de Monica Seles, joue un huitième. Et la balle est donnée bonne. Illustration de ce passage à vide. Confirmer ce break. Elle avait choisi le bon côté, mais nouvelle balle de Debrec. Oui, parfaite cette volée, bien décroisée. Ouais, les fautes, et jeu Seles, après avoir une balle de 3-0, cherche. 2-1 pour Meski, début du deuxième set. Game Seles 2-0. Et jeu aisé. Oui, un angle audacieux. Et là, le coup de barre, il est pour Meski. Julie Allard qui est arrivé avec Arnaud de Cugis, son entraîneur. Aïe, on va mettre les casques, voilà. Julie, c'est comme ça. Très bien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Juste un petit mot sur le match qu'on est en train de suivre. La Monica, ses premiers matchs a été assez rapide, justement, c'était l'une des trois joueuses. Oui. Comment ça s'est passé? Disons que j'ai très bien commencé le match, j'étais bien dans la partie, j'étais calme et... Je tenais bien l'échange. J'étais encore lucide et puis au bout de 4-5 jeux... Sabatini, les grandes sont toujours là, mis à part bon, le retrait de Steffi Graf. On se dirige de toute évidence vers une finale Céleste Sabatini, selon toi, où Arantxa Sánchez a peut-être de quoi créer la surprise.
Oui, bon, j'espère que ce sera Sabatini, au moins je regarde contre la meilleure. Oui. Ce phénomène-là de pouvoir encadrer les joueurs, les joueuses pour qu'ils aient quand même, qu'ils ne se sentent pas trop seuls. Bah, disons que Julie s'embête pas, comme elle le dit, sur les tournois, et du moment qu'elle s'entraîne bien, qu'elle n'a pas de problème physique, elle n'a pas besoin de beaucoup de choses en dehors du terrain. De temps en temps, on va au cinéma, ou on prend une journée sur la plage à la fin d'un tournoi. Vous levez jusqu'au moment où vous allez dormir le soir. C'est une façon de réagir, de se comporter et d'être toujours positif et tirer. Et même quand elles mènent au score, ils peuvent leur arriver d'avoir des réactions négatives et qui après se transforment en mauvais. Étant de mieux en mieux encadré, de plus en plus tôt formé, la différence peut-être va se faire sur d'autres. Depuis 6 mois, quand même un petit peu pas disparu, mais fait de moins bons résultats. Bon, là, elle a apparemment un grave problème. Peut la guider à nouveau pour qu'elle puisse retrouver une certaine motivation et un plaisir. Kenro et Emilio Sanchez, la rencontre phare de la journée. Vous croyez que ça peut contribuer à causer des surprises? Ça peut jouer, oui. Plus le match va durer et plus le temps a été beaucoup plus froid que les années précédentes. 15-40. Voilà, encore une erreur. Faut jouer toutes les balles et on dirait que le travail de Sap commence à payer. Et on peut remarquer que Meschki oriente. La bonne accélération. C'est un point qui fait du bien. Et même si Monica Seles, comme c'est le cas depuis le début de la rencontre, proteste. Et c'est dehors avec cette erreur. Non, il veut pas. Et le match Seles Connors. Normalement, je pense que. J'espère que Connors gagne. Pas pour Connors, oui, parce que là. Non, mais elle dit que le temps qu'ils se mettent, comme ils veulent jouer un tie-break, hein, tourner un match de tie-break, le temps qu'ils se mettent en marche, qu'ils s'échauffent, le match sera déjà terminé. 0-40, 3 balles de 7. Et voilà, bien joué, elle a, comme vous l'aviez signalé, attaqué sur le coup. Et peut-être est-ce là qui va faire la différence. 15-0. Oh, quel angle. 15-13. Quelle précision. Et bien attaqué Céleste, cette deuxième balle. Oui. Ah oui, c'est bien joué, tactiquement. Bien. Allez, balle plus courte et ce jeu. Et 40-30. Game Sellers. Two love.
joue mieux les skis en ce moment. 30-0. Mais elle est menée 2-0 dans la troisième manche. Ah oui, des prises de risque. Advantage Sellers. Balle de 3-0. Et voilà, cet exercice dont on vous parlait. Alors elle a hésité à y aller, elle m'a dit qu'elle se laisse un moment et puis elle a 1 à 3. Et oui, cette fois c'est Céleste qui est. Ah oui. Évidemment, c'est toujours un petit peu chanceux lorsqu'on a. Oui, elle n'a pas croisé cette fois-là, elle a joué le long de la ligne. Et dehors. 40-30. Sur une quelconque défaillance de son adversaire. En revanche, serrer le jeu, ça devient maintenant indispensable pour Céleste. Oui, elle est montée à la volée, elle a voulu aller assez confortablement installée dans ce troisième set. 0-30. Elle a vu qu'elle avait marqué des points sur. Elle ne la laissera pas passer. Et elle est en train de s'en sortir. Lentement mais sûrement. Game Céleste. Je Céleste sur cette tentative de. Hubert Novotna, sur lequel nous allons tout de suite partir dès la fin de cette rencontre.
et si Novotna le gagnait, ce serait le remake de la finale de l'an dernier. Céleste. Ah oui, un angle incroyable à trouver par Céleste, qui peut conclure et se donner une balle de match. En voilà une autre balle de match. Juice. De retour à 3 jeux à 5. Elle est bonne. Et malgré la couverture au fil. Troisième balle de match. Voilà, jeu, 7 et match. 6-4, 4-6, 6-2. Céleste se sort donc de ce mauvais pas et de ce piège pour l'emporter. On va...